Vous savez, il y a des choses qu'on ne fait pas par respect. D'accord? Par respect par la personne en face de vous, la personne à vos côtés. Il y a des choses qu'on ne se permet pas de faire. D'accord? Des choses qu'on ne se permet pas de dire, par exemple. Quand une personne vient vers moi pour me dire, une personne qui m'a offensé, dise, je suis désolé si j'étais blessé. Je suis désolé si j'étais blessé. Moi, je pense que tu te fous de ma gueule. Je suis désolé si j'étais blessé. Ça veut simplement dire que tu n'assumes pas la responsabilité de m'avoir blessé. En réalité, en fait, je ne réalisais pas que je te blessais, mais bon, je suis désolé si j'étais blessé. Vous savez, je suis désolé si j'étais blessé, je suis désolé si j'étais déçu, je suis désolé si efface déjà tout ce que tu as à dire après. Je suis désolé si efface tout ce que tu... Peu importe, je ne sais pas. Certaines personnes le font par erreur, peut-être ne le sachant pas. Et d'autres personnes le font peut-être malicieusement aussi. Mais je suis désolé si j'étais déçu, si j'étais blessé, si tu m'as mal compris. Ce n'est pas une façon de s'excuser, honnêtement. On s'excuse honnêtement en disant, je suis désolé de t'avoir blessé. Je suis désolé que tu m'aies mal compris. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je reconnais et je suis responsable entièrement de ce qui se passe après. Je suis désolé de t'avoir fait mal. C'est ça. C'est comme ça qu'on s'excuse. Une personne mature, une personne authentique, vraie et honnête. Vous savez, je suis désolé si j'étais blessé. Et simplement une façon malicieuse d'apaiser la tension sans nécessairement reconnaître sa faute. Ah, je suis désolé si c'est comme ça. Apaiser la tension sans nécessairement s'excuser. Ce n'est pas comme ça que je... Non, 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 non. Tu as fait le dégât. Derrière toi, tout est pourri. Suite à ce que tu as dit, les gens sont blessés, les gens sont heurtés, un dégât s'est produit. Une personne mature, responsable, dit je suis désolé pour avoir dit A, B, C, D. Je ne m'en rendais pas compte. J'en tiens entièrement la responsabilité. C'est comme ça qu'on progresse. Malheureusement, vous savez, il est important qu'on parle de ce genre de choses. Des choses très petites, hein, sans grande importance, mais très grande importance. Parce qu'on ne peut malheureusement pas parler de développement sans parler de comportement. Et beaucoup de choses, malheureusement, on n'apprend pas à la maison. Beaucoup de choses, on apprend dehors. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai appris beaucoup de choses à l'extérieur. On ne peut pas tout apprendre à la maison. C'est presque impossible. Je suis désolé de t'avoir rendu un mauvais service. Je suis désolé, par mon retard, tu as raté ton rendez-vous. C'est de ma faute. C'est comme ça. Vous savez, s'excuser, hein? Ce n'est pas une forme de faiblesse, en effet. Beaucoup de personnes pensent qu'en s'excusant, ils perdent leur raison. En s'excusant, ils sont plus aussi autoritaires. Non, ce n'est pas ça. S'excuser, d'ailleurs, est une force. Seuls les forts savent comment s'excuser. Comme on dit, seul le fort peut pardonner. Seuls les forts peuvent s'excuser. Écoute, il y a eu deux situations. Je m'excuse pour celle-là. J'avais tort. Mais pour l'autre, je pense que toi, tu avais tort. C'est comme ça que ça se passe. En vous excusant une fois ne veut pas nécessairement dire que vous perdez totalement raison dans toute l'histoire. D'accord? Vous excusez par rapport à une chose parce que vous êtes allé peut-être au-delà de ce qu'il fallait. Quelquefois, on fait des trucs sans vraiment réfléchir. Ça peut arriver à n'importe qui. Je suis désolé de t'avoir fait ça. Et même quand on fait une chose sans vraiment le penser. D'accord? Authentiquement, réellement, vous faites une chose et vous blessez quelqu'un sans vraiment le vouloir. Si vous êtes vraiment honnête, à la fin, vous dites, écoute, je suis vraiment désolé de t'avoir fait ça. Ce n'est pas ce que je pensais. Ce n'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas à ça que je réfléchissais. Ce n'est pas à ça que je faisais allusion. Je suis désolé pour ça. C'est comme ça qu'on s'excuse. J'espère que ça va. J'espère que l'année commence bien pour vous. Je vous verrai encore très vite, très bientôt en tout cas, dans une nouvelle vidéo. À très bientôt.